Désormais, feu Seigneur évangéliste comme l'on Justin Tamandaro, inhumé le 18 novembre 2023 dernier, les enfants du défunt en connivence avec famille alliée, amis sympathisants, ont honoré la messe de huitaine du regretté disparu. Et c'était le samedi dernier 25 novembre 2023 sur la paroisse de Kadjéon à Cotonou au Bénin. Suivons les moments forts de cette célébration estrée. Et tu as tes mains des os, non, il y a moyen.
à la place du vénérable suprême évangéliste Cyril Zomorou, berger de la paroisse d'Akosombo à Cotonou, l'envoyé spécial de celui-ci, le vénérable suprême évangéliste Antoine Oubado, a pris le soin d'honorer toutes les âmes à ce rendez-vous en réorientant l'attention de celle-ci sur l'origine de la mort. Suivons un extrait de son prêche. Et le jardin d'Eden et à Kunokado, Bouddha, Adam Boudo, Eva Koudemeo. Et le Nantaïne et le Djoma Koukame. Et oui, da, Adam Boudo, Eva Kou. Ou Maouda et le Finabou, et Nampoua. Oui, Tekawa Zombo, Koukawa. Et le Tounoumassé. Oui, nous avons d'ailleurs posé le finé. Boca d'un héros, à Tissé, le l'air de Minagoumé. À mort, le poignot et le finé. Minagoua, maintenant, dans le roulant. Donc, oui, nous avons Minagoua, Minagoujan. Bon, ma ou au cas de mon bout de mon nuit. Boca posé finé, ça, des bons, mais des boca lewa. Et il y a ouvi mes retours, il y a un bel temps bleu. Et je vais vous dire que je vais vous dire que oui, nous sommes bons. Et nous sommes bons. On a dame des ouvres dame du et quand il m'aolo et doit nous et n'apu kuhoa et kuhoka wa ma ouita eyo bokaze et dofine on est venu ma ouado et da et dofine on et da et bonu et na jo et do bon dina wa yewa on vivait on et ma oudo nous beto. Et donne nous Adam pour va pour nous. Et de raison, bon nous connaissons ma voyons. Mais quand on a joué do, il y a autre mina c'est mais on les ganto des c'est do. Bon mais on les ganto et non et na montem bois on les gan. Donc nous et why do do voyons nous. Bon do bas cousin quoi. Et quoi nous nous couvrons des soldes à. Et quoi bon fou. Bon, je suis un peu plus de temps. Bon, les Jésus ont kawa le roi diane le tamitome boa kuo et do e wazode mémon 1 Corinthiens 15 verset 55 à 57 et do ku a fite ka yidou de jitwe de adonze poro gbetole jitwe le nous a dit au couton ouais. Et la puissance du péché c'est la loi. On rend volontaire et oui et donc au sein. Mais grâce soit rendue à Dieu. Bon, ben il a donné ma ou de victoire de cette loi. Il nous donne la victoire dans le Seigneur Jésus. Bon, et wana mi a che. Bon, coûte que ben ton et non et ben si nous commettons. Fais-en pas mes couilles, mais je ne peux pas dire de l'honneur.
Bon, et donc, mi dame le maou, mais ouais. Bazar, il y a un deux, à bazar, on a coup d'un. Mais à bazar, quand vous allez dans le côté, on est dans. Elle est là, nous condido, nous fonçons pour s'y aller. Bon, des maou, kawa, zoé, nous mignons. Never me katouni bon. Ne do ko ko mi ton le mi ka de bon do alioji bon nu wi wa da onion e ma wo wa mi bon vitonji bo le se viton se do bloje mi ja inu bo mi gbe toni nu bo e ka sin ko me to mi ha bu ka le wa bo do aze viton bo do a hun le mi on ni no meta mi ka do bo da to na su su nu mo kon ton nu bo jesus o wa bo re jo mi o wa bo mi do ti en mi so singlo a en jomi onglo mi ni en mi ka jomi onglo ko won e fo a bo mi fon bo nu tegbeton yin lan to tegbeton nu ma so pe tegbeton ikon mi ni e zon bo jesus o wa bo awon mi ga bo mi ni to tontan sin kanu mo yin lan to ton sin aliji o mi de afoton a e be romain le do mi e romain 6 verset 15 à 16 Ah, ne gale gbon won Jesus ko wa bo agba ku si awon nu mi bodo ku e fite adi tu ede adi de ando ren gbe to lewu na e yi ron kan sin ku si mu bodo ku so do won ron do mi ji a bo din on ne ka yin bo ka de so mai e yon mo un mi sna do nu jo mi o din bodo do mi do jo mi o me wu tu o mina lette do nyina do mi ton lewu do jomi o si azo de jomi o kanu wa o e ma ido ta sinsin ha ma o e wa jomi o no wa zo do mi mene do agbaza mi on nu wa idore lenu tin bo ma do nu kun ton mi no jeme ide ko me si apla ni ona wa din o nu kun mi ton mi onu kon na le ble un jona wa yana do bo mi kun ton wa lile ai ha mi ton me ton le bon mi na vendo no vi mi ton ale mi ko mu ya ho ngbele din o lile de lenu wa bo mi no lile na ka de le ene le we jo mi ona wa zo na un amo nyina do de mi de su mi tinja yin bo to bo tun no vi mi ton lo jo mi na wa nu kai mi na do nu sin kai mi na gbe ton gbele mi ro mesi na ba din o nu wo ni lile ona mi le bi o ta glo mi ton me mi no blo tito bo mi ka ton nu ni onu yen ya we ma o gbe nu mi wa lo lo yon a ali ko lo yon a tito lo yon a bo mi no wi wa un mo no to bo ko no yi blo jomi o ma si gan wa zo eni one oni jomi ma ka si gan wa zo eni o an e te be hebreu 10 verset 26 27 kado jomi o su wa zo eni o an do mi le wa do agoje we bon nu e de ko na mi ton dale ba mi ko tun nu e ya do dagbe me o un we mi se juro mi ton bo ti o mi tun ro je nu e lo nu yan yan we nu e lo mi do na blo wa e lo nu kon ton mi ton le mi ni si e bo mi ka ko ta so nu kon ton le we alo mi lo agun membo e lo sin agun ton die mi na blo gbon le a mi na ze gbon le a bo mi ka po fon bode woni o ta si sin we nu e lo rebellion ne bo dion mi po lo ne le me o ne kan yin gbon bo e ko ti menu mi we nu gbo bo mi do na po to e ko do nu mi yan lo ah weni nu o vo si sa de so de amen voici ça des sols les bois mais allez voir ça quand Jésus a conquis beaucoup bah on coupe beaucoup les migrants beaucoup d'ordres mais non comme les mi aligi mais non bon mais donna quoi de Jésus a dit déjà bon bon a quoi de Saint le bon et bien mais quoi de Juro à Baza tomba ouais donc si c'est raison pas d'amour bon va pour jaillir le dernier mais le jardin de Denme bon et bien Jésus dit bon si c'est on tombe et dans les zones où il y a quoi quoi bon et bien nous nous clignons mille bises c'est eje nda gbo mi na ko eto bo de mi na blo pombo na no gbejinu mawo e ba na juro mi ha nu de bu so ko bo fo si sare so dia
La chorale en place, la voix de l'Éden, ensemble avec quelques d'autres choristes sympathisants, dans sa mission ont mis dans les cœurs présents de l'abondance en joie. Suivant les quelques impressions que votre télévision en ligne, Omosé Les Voices vous a recueilli. Je suis ici à Kadéon, dans le cadre des cérémonies du 8e jour du décès de mon papa. Tamanda Okomlan Justin. Je vais déjà commencer par remercier l'éternel Dieu pour avoir permis que les cérémonies se passent dans de bonnes conditions. Ensuite, je remercie tous les devanciers de l'Église du Christianisme Céleste, et notamment le chargé de la paroisse de Kadéon qui a accueilli la messe du 8e jour. Que Dieu lui rende tout ce qu'il a fait pour nous dans ce cadre-là. Je remercie également le chargé de la paroisse d'Akosomo, Papa Cyril Zomaoun, qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir tout au long des cérémonies relatives à l'enterrement de mon papa. Les fidèles qui ont été nombreux venir soutenir tout ce que nous faisons. Je dirais que mon papa est un élu de Dieu. Un élu de Dieu qui chaque jour ne ménage aucun effort pour respecter les règles de l'Église, observer les ordonnances, les interdits de l'Église. Non seulement il le fait, mais il l'a transmis à ses enfants. Et je sais, tout le monde sait qu'il est un professeur d'anglais. Même ses élèves, les élèves qu'il a eus depuis 80 ou bien depuis 50 ans, tout le monde chante ses éloges. Mes impressions à moi par rapport à mon père, c'est ce père-là qui oriente, qui guide et dont un seul de ses propos ne peut être relégué en arrière. J'ai coutume de dire depuis un certain temps que mon père a toujours raison.
pour exprimer le fait que parfois, il est en train de nous éduquer, de nous relever d'une mauvaise voie. Nous le comprenions mal. Mais à partir d'un certain âge, j'ai compris que tout ce qu'il disait était vrai. C'est un père, je vais dire humain. Mon père peut rester à jeun et donner à quelqu'un tout ce qu'il a comme argent. Avant même d'acheter les fournitures de ses enfants, il pense d'abord aux orphelins qu'il connaît, les gens qui sont moins nantis. Je ne dis pas que nous sommes nantis, mais qui ont une situation inférieure à la nôtre. Et ça, c'est mon papa. Et je remercie Dieu de lui avoir accordé autant de temps. C'est vrai que ça ne suffit pas de vivre avant de nous quitter. Je vous remercie. Messe de Witen, papa Tamanda ou Justin Ton, ou Bahi ou Ayete. Bon, anyway, Rémi, ou à 4 ans, c'est à vous dire que vous êtes là. Maintenant, dans le Tibo, il y a un rôle de Hobo. Dans le délai de vos énormes, et non, papa, là, papa Tamanda ou Justin. Et oison, ou à quoi d'autre, il va le dire. Bon, et Diacho. J'ai eu un grand qui a l'envoyé dans la zone et on est de connaître tout le temps. Donc, on va dire que c'est un peu de temps ici. Pour confier ton aide au port, pour le port dans la ville. Bon, on va dire mais on va dire que c'est un peu de temps. On va dire que c'est un peu de temps. On va dire que c'est un peu de temps. On va dire que c'est un peu de temps. Dans le grand ville, il y a un peu de temps. Donc, je vais dire que je vais dire que je vis actuellement au Canada et je suis descendu récemment pour les obsèques de mon cher papa regretté, Komlan Justin Tamandawa. En effet, la Bible nous apprend que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas en fait morts parce qu'ils sont désormais avec Christ et nous sommes tout confiants, nous avons connu papa et nous savons comment il a vécu et nous avons entendu les témoignages et nous n'avons aucun doute que papa aujourd'hui est déjà avec Christ et qu'il fait partie des saints, qu'il veille sur nous et que c'est pour nous une source additionnel de bénédiction. Vous savez, étant devenu adulte, ayant eu des enfants, il est survenu plusieurs fois où je demandais à mon père comment il a pu faire pour réussir autant sa vie. Je vous rappelle, mon papa n'a pas été un grand richard, mais il était très fier de ce qu'il avait. Je crois qu'on a eu des témoignages par rapport à ça. Il a eu 7 enfants, dont tous ont pu réussir leur vie à un certain niveau. Tous ont la foi, tous ont leur foyer. Des fois, je me surprends en train de demander à Dieu de me donner les bénédictions qu'il a données à mon père, bien qu'il ne soit pas un grand richard. C'est dire que j'admire beaucoup ce que Dieu a pu donner à mon père. Et je lui demandais comment il a fait pour réussir autant sa vie. Mais sa seule réponse a toujours été « C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. »
rien de plus. Nous nous devons de remercier tout le monde, en fait. Depuis le vendredi, nous n'étions pas là, malheureusement, mais nous avons suivi la veillée en ligne. On était encore dans nos voyages entre deux aéroports et nous avons vu la grande mobilisation de la veille du vendredi. Nous en avons pleuré. Donc, nous tenons à dire un grand merci à toutes les autorités de l'Église du christianisme céleste et spécialement les autorités de la paroisse de Kadjem, la paroisse d'Akosombo, la paroisse de Sainte-Rita, la paroisse d'Akwapa Centre. Un gros merci à nos amis, les musiciens, parce que tous les enfants de papa sont musiciens, sont choristes. Et nous avons vu la mobilisation de tous les frères et sœurs musiciens, qu'ils soient célestes ou pas, parce que le samedi, on a eu des chants non forcément spirituels. Donc, il y a eu la grande mobilisation des musiciens en général. Et nous les remercions très sincèrement. Nous remercions toutes les familles alliées qui nous ont soutenus, tous ceux-là qui nous ont soutenus de près et de loin. Nous remercions tous ceux-là pour les vœux, nous les remercions pour les intentions, pour les dons financiers, les dons matériels, pour les efforts, parce que tout le monde s'y est mis. Et nous remercions tout un chacun de vous pour tout ce que vous avez fait pour papa, pour honorer papa. Et nous avons foi que cela vous sera rendu au centuple. Cela sera une bénédiction pour la vie de chacun de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rituel consacré aux messes de huitaine selon qu'il est donné dans l'Église du christianisme céleste a été observé. Suivons un extrait. Oh.
important de vivre une vie heureuse et dans le Seigneur sur cette terre, car cela définit forcément celle qui nous attend dans l'au-delà. En tout cas, l'illustre disparu, le feu Seigneur évangéliste comme l'injustin Tamandaro, a su tirer son épingle du jeu. Et des témoignages depuis le jour de son inhumation pleuvent jusqu'à aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Amen. Shalom. Oh, no, no, no.
écoutons. Deux fois encore, lève ton main.